se calme pas, Haro. Haro. José, vraiment, les gens m'aiment. Oh. Oui, ma pierre, viens, viens, viens. José. T'as dit quoi tout à l'heure là? Papier, plus jamais. Assez. Je dis plus jamais tu vas m'appeler ma fiancée. Ça va pas chez toi. Quand tu me vois comme ça, tu me dis ma fiancée. Tu m'en allais quand? Et puis pourquoi penser que c'est parce que tu as donné, c'est pas 3 500 000 à mon nom que tu vas te permettre de m'appeler ma fiancée? Non, non, non. Et puis je te dis, je dis, tu m'écoutes quand je parle. Je te dis de ne pas dire aux gens que toi, je suis ta fiancée. Ou bien tu es ma fiancée, tu es mon fiancé. Plus jamais. Tu as compris, non? Pas de venir gâter mon nom dans le quartier. Parce que de toutes les façons, mon nom est déjà gâté, tu peux venir acheter tout ça dessus. Là, parce que tu as donné 3 millions à mon nom, que tu as venu dire que moi je t'ai dit. Tu as compris? Non, non, j'ai compris. Attends, attends. Pourquoi papa a dit coco? Ça! Et pourquoi? Voilà, parce que tu vois, quand je te vois, Mimi, Mimi, tu connais pas le bon. Myriam, non, je suis trop enjagé. Moi, je suis énervé. Aïe. Moi, je suis énervé quand je te vois. Je suis énervé quand je te vois. Tu as compris? Non, faut calmer ton corps. Okay, ah, okay. Faut pas me toucher. Hein. C'est qui est reçu? Ton papa, le vieux blablabla. Je suis venu à la maison hier. Le voir. Ah, Dieu merci. Hmm. Dieu merci que tu es venu sur ma table. Sinon, ça allait gâcher ma journée. Non, ça allait gâcher ma journée. Non, non, non. Ta journée la même. Ça serait. Tu vois le là, ça nous. Romantique. Et qui t'a dit ça? Voilà, c'est ça. C'est moi je t'ai dit que quand je te vois, que ma journée est romantique. Oui, non. C'est moi je t'ai dit ça. C'est ça. J'ai laissé ton argent là-bas avec ton papa. Yeah. Et arrête de me flatter. Attends, là. Attends. J'ai donné un million à ton papa. Ça, c'est pour lui. Et puis pour toi, c'est 2 millions. Million. Ça c'est pour toi. J'ai dit Naka te donne. Voilà. Il faut pas me flatter. C'est parce que tu me flattes que tu as menti sur mon père. T'as compris? Non. Oh. Parce que moi là, j'ai vu mon père tout à l'heure. On est ensemble tout de suite là. Il m'a pas dit ça. Et je suis sûr que si tu lui avais donné les stèles, c'est 3 millions, mais combien de millions, il allait m'en parler. Donc pas me mettre en parler avec mon nom. Il t'a pas dit, il t'a pas donné. Est-ce que toi tu as donné puis pas me donner? Moi j'ai tout donné. Mon oncle tout à l'heure là même. Tu dis que tu penses pas de quoi? Je suis avec mon oncle tout à l'heure. Mais je lui ai donné les 2 millions pour toi. Lui-même 1 million. Ça fait combien? Ça fait 3. Tu vois le là, ça nous. C'est pas quoi? C'est pas quoi? Millions. Voilà, millions. Ça avec lui, il faut le récupérer. Moi je peux pas, maman. Mathilde, devant toi. Tu es mon coq. Non, en fait, après lequel, après laisser ça. Il a compris. Il a qu'à laisser. Il a compris. Non, il a compris. Myriam. Non, quand il ne faut pas trop sortir sur le soleil pour garder ton. Ok, au revoir. Hein? Hein? Attends, parce que mon oncle là, il est capable. C'est vrai que lui là, j'aime pas sa tête, mais mon oncle il est capable. Et c'est pas parce que lui, je l'aime pas que mon oncle va prendre l'angle. À mon oncle pour bouffer. Je vais pas bouffer mon oncle, cet agent il ne va pas bouffer. Mademoiselle, vous passez comme ça, je suis assis pour même pas me dire et lancer une seule tête. C'est pas un problème, les saltations même ne sont pas partie des projets de société. Mais dites-moi, pourquoi je ne suis pas le seul? Je ne suis pas seul parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé là. Parce que je ne sais pas si mon oncle a fait, je ne sais pas. Mais vraiment, ça me fait bizarre. C'est pour même. Depuis Oran, tu n'en vois pas. Je t'appelle ton numéro si ça passe là. C'est quelle manière ça là? Quand il est parti au marché pour aller chercher au Gabriel. Bonjour. Bonjour Sala. Eh bien, il est parti à la maison, derrière toi. Qu'est-ce qui te fait bizarre?
Explique-moi un peu. Je sais. En fait, j'ai croisé Kwame tout à l'heure. Oui, oui. Il m'a dit qu'il a donné 2 millions pour moi à mon papa. Hein? Oh? À mon oncle. Il a donné 2 millions pour moi. Et plus 1 million pour moi. Hop, oh, on était à la maison ensemble. Il a même demandé l'argent. Il m'a donné 10 000 et je suis sortie. Donc ça m'étonne que mon Kwame me dit que lui m'a donné 3 millions à mon nom tout à l'heure là. On était en train de la vie. Attendez, attendez. Si je situe bien ma compréhensibilité, vous voulez me dire que Kwame a donné 2 millions à votre papa pour qu'elle puisse vous remettre. Je suis venu te voir. Ça ne me va pourquoi? Donc t'as qu'à aller demander pardon à mon mari. Ton mari Kwame là? Oui. D'aller demander pardon. Oui. Sarah. Il n'est pas allé demander pardon, mais tu as vu le problème qui est là, là. Oui. Essence est finie. Oui. La vieille, tu es devenue voiture maintenant ou bien vélo. Si elle dit essence est finie, tu sais pas de quoi il parle. Je sais pas. L'argent que ton père m'a donné, c'est fini hier. Mon père doit te payer encore. Tu connais pas encore. C'est qu'elle est. Il a compris. C'est vrai, je ne vais pas demander pardon à mon mari, puisqu'il n'est pas mes points, il n'est pas mes retournés. Il aime beaucoup. Sarah, est-ce qu'elle a fait ça là-haut? C'est toi ou c'est ton mari? Le problème là, c'est qui? C'est mon mari. C'est ton mari? Mmh. J'ai dit, quand je suis venu à la maison là? Oui. Je vous là-bas là? Oui. Pour dire tes parents, ta maman là, ce n'est pas tes vrais parents. Eh, oui, tu m'as déjà dit tu ça. Tu m'as insulté non? Tu dis, je suis papa tout. Je suis au courant. Tu dis que maman là, c'est poubelle. Ça me fait souvent te voir que tu n'es qu'à aller regarder après des mariages là. Moi, je suis papa tout là. C'est moi qui est venu me voir encore. Tu n'es qu'à aller voir ton mari pour qu'il va accepter. Pardon. Il va demander pardon pour que mon mari là, il va payer bonbon et biscuit pour toi. Moi, je ne veux pas vraiment le payer, mais à propos d'argent, on fait comment? Je vais aller voir mon papa. Il va payer chocolat pour toi. Il ne connaît pas encore. C'est le chocolat que j'ai mis, il va aller arranger à faire là. Oui. C'est que je m'en vais. D'accord. Viens le voir mon papa. Tu vas envoyer l'argent, mais ça ne va pas l'argent. Juste que bonbon, il va venir te dire. Il ne connaît pas encore. Toi, je te dis, tu n'es pas normal. Tu ne pourras pas. Si je viens à la maison, c'est ce que tu dis toujours. Si c'est biscuit bonbon, tu vas prendre pour le mariage. Tu vas rester là. Mmh. D'accord. Moi, viens le dire à mon papa. Et malheureusement, je ne sais pas où, bien par une attention, bien par oubli ou bien par exprès, le il blanc. Ne vous a pas remis les 2 millions, n'est-ce pas? Le blanc, je ne sais pas si c'est oubli ou si il a fait exprès, je ne sais pas. Mais je ne sais pas si c'est vrai ou pas. J'ai compris, j'ai compris. Tu sais, Kwame. Mais si on a donné 3 millions, c'est à cause de moi il a donné. Écoutez-moi. Kwame, depuis un certain temps, avec. Cet amour grandissant, cet amour grandissime qu'il a pour moi, je suis sûr que Kwame a donné les millions à ton oncle pour te remettre. Malheureusement, il n'a pas remis. Mais si c'est le cas, c'est votre droit. Quand on remet quelque chose pour quelqu'un, c'est le droit de cette personne de recevoir ce qu'on lui a remis. Mais si votre oncle ne vous a pas remis, il est très important. Ça, c'est une histoire de droit. Il faut porter plainte. Moi déporté, moi Myriam, déporté plainte contre mon nom. Oui, ça le... Là, vous n'allez plus payer ça. Non, c'est pas ça. Vous allez prendre sa place. C'est pas ça, on va se comprendre. C'est vrai qu'il a son comportement, mais c'est mon papa. Oui, je ne peux pas le mettre en prison. Donc, si le papa vient s'entendre et me dit de mettre mon oncle en prison. On va se comprendre, on va se comprendre. Il y a une solution, il y a un plan B. Et normalement, comme je l'ai dit, même si c'est votre papa, c'est votre oncle, c'est qui vous revient de droit, doit vous être destiné. Mais si celui-là ça n'est pas, ne vous êtes pas destiné, il faut porter plainte. Comme vous, en tant qu'une fille, une bonne fille bien éduquée, vous ne voulez pas porter plainte, moi je pense qu'on va mener une enquête pour voir véritablement si votre oncle a eu l'argent ou il n'a pas eu l'argent. Mais l'enquête, on va mener ça avant. Je suis là. La personne la plus ressource, c'est moi. Tout ce qui a besoin de toi. Non, je n'ai pas dit que tu n'as pas besoin de moi. Mais je veux te faire comprendre qu'il faut que tu mènes l'enquête. Il faut que l'enquête soit menée pour situer les responsabilités. Mais je m'en vais à la maison. Maintenant, enquête là. Si c'est toi que tu vas mener, je ne sais pas comment tu vas faire. Ce qu'on va faire. Voilà, donc soit tu me suis, on va aller à la maison. Ton enquête, tu vas m'aider. Mais c'est que moi, je vais poser quelques questions à mon nom. Justement, c'est ça l'enquête. Ce qu'on va faire, vous allez partir. Et moi aussi, je vous suis un peu. Et quand je vois que votre oncle sort net,
moi je rentre en action et puis vous posez des questions. C'est comme ça. Quand on parle aux Africains, ils ne comprennent pas. Il faut toujours un intellectuel. L'intellectuel a toujours sa place devant les analphabètes. C'est un moment, les gars, ça est bizarre. Quand même, là, ton moment, là, même, là, c'est comme ça. Ça dit, quand moi-même, quand il rentre dans n'importe quel où il tape, tape, là, ça sort pas. Le terrain est trop sec. Hey, toi, tu sais bien les choses. Hey, c'est au Mayak. Yakou, donne-moi. Là, il était Yakou, même, il a un nom. Et c'est dans quel argent tu as donné? C'est à vous qui donner. Qu'est-ce qu'il y a là? Non, continue de parler, continue de parler. Ça veut dire quoi? C'est le blanc. Non, je te pose que ce que vous me répondez. Tu m'as dit, je t'ai demandé l'argent, je t'ai demandé 30 000, tu n'as pas 30 000. Tu m'as donné 10 000 et je vais les prendre sur ta table, dans la chambre. Non, mais le problème c'est quoi? Maintenant, c'est dans quel argent tu as enlevé au fait? C'est ce que je veux savoir. C'est lui qui volait les téléphones. Ouais, il y a longtemps, ils l'ont mis là-bas. Je le garde, c'est lui. Mon cher, ça. Faut laisser. Actuellement, je suis dans l'ancien quartier. Mon cher, laisse. Je te rappelle. Ok. Ne fais pas mon cher. C'est lui. Ma petite. Ciao. Ma petite. Ouais. Le quartier. Ouais. Ah, les petits. Je crois. Mais il y a plein de venus zozo dans le quartier maintenant. T'as grossi. Mais le petit, tu crois? Moi. Mais toi, t'es devenu zozo plus que nous. Non, vous laissez. C'est maintenant que je travaille, hein. Ah bon? Oui. Maintenant, je travaille. Je suis à la fonction publique, ça fait 4 ans maintenant. Tout à l'heure, comment je sortais là, j'ai croisé pour amener. Oui. Et c'est maintenant que je comprends quand tu me dis qui t'a dit que quand je t'ai parlé d'argent tout à l'heure. Qui t'a dit que quoi? Toi tu m'as dit, qui t'a dit qu'il y a l'argent? Qui a dit quoi? Tu m'as dit ça. Tu m'as dit quoi? Mais c'est quand on est venu à faire là, c'est quoi? Non, continue, faut que... Non, je ne peux pas rester à faire, je ne peux rien continuer. Non, je ne peux pas te brancher sur lui, ça. C'est que tu m'as branché sur lui. Pas te brancher. Je ne peux pas rester à faire, je ne peux pas avec toi. Et lui, il a arrêté, il regarde dans mon bouche, et puis il a écrit. Mais maintenant, tu te reproches quoi? Je te reproche quoi, comment? Faut continuer à parler. J'ai croisé Jérémy Kwame. Kwame dit qu'il t'a donné 3 millions. À qui? 3 millions pour moi. À mon papa. C'est qui mon papa? C'est toi? Tu connais pas encore moi. En fait, je suis venu tirer tout à fait au clair. Parce que moi, j'ai dit que je ne vais pas croire. Je vais t'apposer une question. Pourquoi tu n'as pas envoyé Kwame ici? Kwame, je sais. Quelqu'un qui n'aime pas. Il t'a menti et puis toi, tu es encore à ça. Non, pas parce que je l'aime pas. Pas question d'abord. Elle ne savait rien dire. Mais c'est qui lui quand même? Pourquoi il fait quoi? Toi, tu n'as pas le temps. Oui, mais il fait quoi? C'est pas parce que. Bon, c'est bon, c'est bon, j'ai parlé plus, mais ça m'a. Tu vois, il est coupable. Allez, vas-y. Il est coupable. Donc dans mon nom, c'est vrai. T'as coupé quoi? Non, j'ai vu que c'est vrai. C'est vrai, t'as vu l'argent. Moi? Tu vois, Nana Kafra. Il m'a rien donné. Ah, il t'a rien donné. Parce que tout à l'heure, moi, il me dit qu'il t'a donné 3 millions. Moi, 3 millions? Moi, 3 millions? C'est ce qu'il m'a dit, il était sûr même de ce qu'il est en train de faire. Mais t'es venu avec la blague, pourquoi? Il soit venu le poser le blanc, il rentre à la maison, moi, tu lui montrais. Tu vois, quand tu poses question, tu vois son visage, c'est de façon il fait là. Dabra, tu l'es pour quelque chose. Dabra, pardon, tu connais rien dans ça, faut laisser. Faut t'arrêter. Non, est-ce que tu as vu, je parle, je veux pas parler. Dabra, quoi même dit qu'il ne veut même pas te voir. Prête, il a menti. Voilà pourquoi je ne veux pas parler. Je te dis, tu parles avec ta fille. Attends, c'est quoi que je parle pour toi? Point, là, il restait combien? Il restait 20 000. On va te donner 20 000, là. Faut laisser tomber. Faut laisser tomber. Tu ne peux pas le laisser partir comme ça. Parce que tu n'as pas l'argent que tu me donnes pas 20 000. Donc 3 millions, on t'a donné. Il faut porter plainte. Je ne peux pas porter plainte. C'est mon nom.
c'est lui-même, lui. Il faut pas. C'est vrai qu'il a son comportement à lui. Il n'est pas bien souvent. Mais c'est mon oncle, ça va, je l'aime pas porter plainte. Pourquoi il porter plainte? Porter plainte, tu vas avoir 2 millions. Ah, 2 millions, t'entends si tu veux aussi. C'est pas m'énerver, je suis derrière, m'énerver, le blanc. Je sors zéro dans cette histoire. Viens, mais. Faut ça, bien, ça c'est quel ouais encore, c'est quoi? Jean, le fou, tu joues quel rôle en fonction publique là? Attends, fonction publique! Viens, t'as quoi de vous pour ta fonction publique? C'est déjà ça. Non, d'accord, il t'explique. Tu as la fonction publique. Quand le président quitte chez lui à la maison, quand il fait ouin, quand il passe, viou! Tu connais pas encore? Maintenant, moi je passe, puis maintenant le public passe. C'est ça la fonction publique. C'est ça la tête dedans ou bien. Oh, hé, quand il passe là. Et non, moi maintenant là, je passe. Toi, il est là, il s'en est. Quand il est passé, mais le public passe. Non, non, oh, je veux ça, la fonction publique. C'est le gars de corps du président. C'est le gars de corps du président. Non. Ça, mais c'est plus que ça. Vous, toi là, qui est grand? Non, voilà, non, toi. Viens. Dis-moi, que tu es un style. Est-ce que tu peux travailler même à la fonction publique? Ah bon? Oh, tu fais travailler la fonction publique. Tu connais pas encore. Vous, Dédé, tu vas le quand tu vas jouer à la fonction publique là. Tu vas remplacer. Tu vas prendre la place de quelqu'un que je devais mettre là-bas. Quand toi, le président finit de passer, et puis toi tu passes. Ah bon? Oui, quand tu vas finir de passer aussi là, mais tout le grand public là va passer. Passe maintenant. Voilà. Quand tu seras la fonction, et puis selon le public, tes amis et toi là, vous allez travailler. Dieu merci. En tout cas, merci le père. Non, tu sais quoi? Je n'ai jamais pensé qu'un jour il allait avoir ce poste. Quand tu es dans un quartier que tu réussis là, faut penser à tes petits frères. Non, tu as bien fait. J'ai. Faut voir tes petits là. Vous allez ce que vous dites, Togo. Je vais te compléter le transport pour aller voir le président. Pour que vous soyez à la fonction publique. Oui. On est là, on est qu'à la cotiser. Togo, ça va, ça va. Oui, oui. Vous allez me compléter. Je vais aller à la présidence. Vous allez travailler à la fonction publique. Edi, fais vite. Je suis assis à la cabine. Le petit qui fait la cabine. Ah oui, tout droit. Je suis assis à côté. Je vais passer un coup de fil rapidement. Ok. Pour vous. T'as compris? Non, non, c'est voilà. Oui, ouais. Oh, Yedi. Ouais. C'est travaillé. Ouais, oui. Ouais, la jeunesse. Oh, la jeunesse. Oh, me laissez. Oui. Fais-moi confiance. Oui, oui, c'est faire confiance. Dans le travail, la fonction publique. Oui, oui. Tu es fonction, un champ public. C'est bien. Tu vis la table, je crois. Non, 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 les gars. C'est un bon manger. Ah, faut il dit, toi, lui, moi, à toi, on va travailler à la fonction publique. Ah. Il dit, ta lettre est finie comme ça. Ta lettre est finie. On t'en veut. Oui, oui. T'as quel diplôme? Voilà. Non. Cette histoire de diplôme là, allez là, c'est relation ou rien. Donc sans diplôme, non, on peut pas. On peut travailler là-bas. Ah, comment pas? Tu le connais pas ou bien? Sans problème. Lui, il travaille déjà là-bas. Mais c'est là, c'est un grand ouin. Mais maintenant, il y a des choses. Ce qui est là, on devait cotiser 100 francs. Voilà, pour lui quoi. Tu as un soutralier. Il faut que nous aussi, on moins on met quelque chose. Non, non, attends. Lui, il est derrière président. Il va nous faire passer derrière président. Et puis, c'est nous de Togo pour lui donner. C'est pas n'importe quoi, c'est. Nous, on est public. Chose, on est fonction. Maintenant, ceux qui vont venir, ça dit quand le président passe comme ça, nous, on est fonction. C'est nous, la côté. Ceux qui vont, après là, ceux qui vont venir là. C'est ça qui est public. Là, nous, on est bien passé que eux. Et Tom, attends. Si t'as donné ton jail là, faut donner ton jail. Alors, au moins, merci là, il t'a dit, il est il n'y a pas encore même mon gars là. Lui, il travaille là-bas. Au moins, là, c'est lui, il devrait nous décaler. Nous, on est donné tout quoi. Si vous avez donné votre jail, moi, il m'en fait. C'est quel fou oui ça là.